Le vendredi, nous parlons télévision. Régis Laspalès, vous allez regarder un programme bien précis? Ah oui! Dimanche à 11h55, juste après les émissions religieuses, on a droit au championnat du monde de natation. J'ai juste enlevé ma soutane pour mettre mon slip de bain propre. Et là, je vais me régaler. Je regarde pas les épreuves masculines. Ça m'intéresse pas, les épreuves masculines. C'est malsain. Par contre, la finale 400 mètres nage libre dame, ah là, je coupe le téléphone et je me concentre sur l'épreuve. Et surtout sur la petite Manodou. Elle m'excite, la petite Manodou. Puis que j'ai vu son derrière dans VSD, y a pas de mal. C'est du sport. Remarque, à force de mariner toute la journée dans des piscines, elle doit avoir l'entresol qui sent un peu le chlore. J'irais quand même bien à la piscine avec elle, la petite Manodou. Même si on y attrape de la conjonctivite et des verrues plantaires, y a pas de mal. C'est du sport, la piscine. Du coup, avec la natation, vous êtes privé d'émission, Pascal Sevran. Ah, on est mal, alors que j'avais préparé un spécial Renault. Les hommes politiques étaient venus lui rendre hommage. On commence avec un ancien camarade de ce lutré, Jacques Lang. Na, 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 na. Je glande un peu partout avec mon sac de couchage. Je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont l'argent, bah ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, et mec t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Viens chez moi, j'habite chez Ségolène. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Allez viens chez moi. J'habite chez Ségolène. Viens Lionel. Viens Dominique. Porcinet, tu es le bienvenu aussi. Viens Laurent. Jean-Pierre, viens aussi. Ah, on est bien. Marche à l'ombre, c'est ce qu'ont envie de dire certains des ténors politiques. On les écoute. Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad. J'ai dit à Bob qui était au flip d'y avoir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Oh, quelle rigolade! Pas de chouli, pas togas, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna mort, cheveux haut et nez, oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou ou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse, maquillée comme un carré d'as, a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, reluque la tronche de la poufiasse, vise la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard, putain en sky comme Travolta, que ça va nous frimer la tête. Non mais je crois au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, j'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre. Un petit Rocky Barjo, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob, qu'avait fait-il? Arrête, j'ai peur, c'est un blouson noir. Je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ces pauvres ébanes, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir? La carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son viandox, je l'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu peux. Et marche à l'ombre. Puis je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche. Un intellectuel en Loden, genre Nouvel Ops. Quand Bob a massacré le flipper, on avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit,
C'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. Et demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir. Si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard. Avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots. Je lui dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu pues, et marche à long. Casse-toi tu pues, et marche à long. Casse-toi tu pues, et marche à long. Marche à long, tu pues. Et on termine avec les sujets du JT de Jean-Pierre Pernaut. Henri Godon est cloneur amateur, c'est-à-dire que c'est lui-même qui insémine ses brebis, les vaches et les femmes de sa commune. Il nous expliquera depuis sa cellule pourquoi il est accusé de violer les zoophiles.